Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale parce que c'est un genre de... Comment on appelle ça en vrai? Dégustation, ouais. Je sais pas. On va faire des dégustations. On a toutes les deux été au centre commercial à Los Angeles parce que bien évidemment on est à Los Angeles. Du coup c'est une petite vidéo spéciale à Los Angeles en plus des vlogs et tout ça. Donc voilà, on a toutes les deux acheté 5 choses. Toi t'en as 5 aussi. 5 aussi, ouais. Ouais. Donc toutes les deux je crois que c'est 4 nourritures et une boisson. Ouais, ouais, c'est ça. Et on va goûter chacune... Parce que l'autre a acheté. On sait pas du tout ce que l'autre a acheté et en fait c'est des spécialités américaines. Enfin c'est des choses qu'on ne voit pas en France. Je sais pas s'il y en a qu'en Amérique mais voilà. Du coup on les a cachées. On les a cachées et on va goûter et on va essayer de deviner quoi. Moi je suis très 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 nulle pour faire ça. Enfin je devine jamais. J'ai pas de bonne papille gustative. Moi ça va. Niveau goût et tout, quand je sens quelque chose et tout, je reconnais facilement. Mais vu qu'ici c'est vraiment tout ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de manger, je pense que t'as essayé de prendre des trucs qu'on n'a pas du tout pris. Ouais. Quoi, pareil, du coup c'est des trucs qu'on n'a vraiment pas l'habitude. Et du coup, bah, je pense que ça va être drôle. Ouais. Surtout que c'est très chimique aussi ici. Je pense qu'on va prendre 600 kilos en fin d'ici quoi. Surtout qu'en fait, on va manger beaucoup. Pré-industriel Five Guys, ouais, Chipotle, on a mangé quoi, Subway. Check. Bon aussi je m'excuse pour ma voix, j'ai un peu la voix, je suis malade quoi, donc j'ai un peu la voix de masculine, Julien, là. Pas ouais, je m'appelle Julien pour cette vidéo, ok. Bon voilà, je suis très contente de tourner pour la première fois cette vidéo, on va voir comment ça, rend. Voilà. C'est la première fois qu'on fait une vidéo à deux, enfin, je suis absolument pas à l'aise, du coup je suis très gênée mais bon ça va le faire, ça va être bien. Et du coup pour ceux qui savent pas, on est là pendant une semaine à Los Angeles, c'est des vacances, voilà, du vendredi au jeudi, et on va découvrir Los Angeles, donc il y aura des vlogs, et un vlog de Los Angeles en général, et un vlog à Universal Studios. Donc voilà. Ok, vas-y, ferme les yeux. C'est bon ? Tu me dis quand c'est bon. Tu mets dans ma bouche. Ouais. Ah, sans le sneakers. Exactement le goût du sneakers. J'ai l'impression que c'est un truc au chocolat avec du chamallow à l'intérieur là. Non. Très gluant. C'est un truc très 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 connu aux États-Unis. Très calorique, je pense. Ça sent. Là c'est du chocolat et l'intérieur j'ai l'impression que c'est de la mousse. Tu vois la mousse là, non? C'est de la pâte. Une pâte spéciale aux États-Unis. Ah c'est pas du truc butter ça? Peanut butter. Ouais, putain. Beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète, en français. Okay. Bah c'est vachement bon. Tu connais pas? Non, je connais le beurre de cacahuète. C'est les Reese's. Tu connais pas les Reese's? Les Reese's, non, je connais pas. Fais voir la gueule pour ça. C'est vachement bon. Et ça a vraiment le goût des sneakers par contre. Hein. Ah, trop bien, ok. Tu connais pas les Reese's? Non, je connais pas. Tu sais, voilà. Moi tout ce qui est truc américain et tout, j'y connais rien. Ah vas-y, mais finis-le hein, si tu veux. Non, je finis. Ça va, tu vas prendre 30 kilos. C'est pour ça. Je sais que je vais pas y arriver. Oh, ça sent fort de ouf. Ça, je sens le peanut butter déjà. Ok, t'es prête? Ouvre la bouche en grand. Attends, je t'en mets moins. C'est quoi? Attends, juste, c'est un truc que je dois mâcher? Non, c'est un. Ouais, tu dois croquer. C'est un peu liquide, mais tu dois croquer. T'es prête? T'inquiète pas. Ferme ta bouche. Il y a des cacahuètes dedans. D'où l'odeur des cacahuètes. Mais c'est quoi autour? C'est trop bizarre. Je peux ouvrir les yeux en fait, je suis con. Ouais, c'est bon. Mais c'est trop bon. C'est bon? Bah, j'aime trop les cacahuètes. Ouais, tant mieux alors, j'ai bien choisi. En fait, c'est du naturel peanut butter. C'est du peanut butter. Ouais, voilà, peanut butter. Ouais, mais du coup, avec les cacahuètes, elle est en liquide. Ah, bah voilà, donc c'est des cacahuètes avec du liquide. C'est ça, c'est ça. Je sentais que les cacahuètes. Putain, c'est vrai quand même. J'ai géré. Quand tu m'as dit le truc. Ça faisait super obvious. Ah, c'est trop bon. J'aime trop ma cacahuète. Bah, ça va alors. Oh, trop bon. Oh, j'ai acquis de ouf. Des petits bonbons. Il y a plein de couleurs, non? Ah, c'est du lait de ouf. Ouais, c'est ça. Trop bon. C'est super connu aussi. Et je crois pas qu'il y en a en France. C'est des nerds. Ah, je les ai vus, ok. Pareil, c'est. Ouais, vachement bon. Tu m'en as mis la blinde par contre. Je savais pas trop combien t'en mettre. Un gâteau. Il essaie de tricher dès le début, quoi. Vas-y, ouvre ta bouche. Un gâteau. Je mets dans ta bouche et tu croques. Ah, ouais, un gâteau là. Je connais ce goût. Chamallow un peu. Marshmallow. Avec autour, bah, on dirait comme les. Tu sais, les formes de ours là en France, tu sais, de ces mêmes pattes. Non, pas, c'est pas vraiment ça, mais. On dirait que c'est. Genre, il y a beaucoup de chamallow au milieu. C'est ça. C'est bon? C'est pas très, très sucré, non? Moi, je mangerais pas. C'est ça. C'est trop. En gros, c'est une génoise au chocolat avec du chamallow à l'intérieur. Comme ça. Voilà. On va prendre 30 kilos là. Ok. Moi, je fais ça à la façon là. Du Canada Dry. Du quoi? Du Canada Dry. Canada Dry? Je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est une limonade quoi. Ouais, pétillante. Tu ouvres les yeux? Oui, bah, de limonade, c'est pétillant.
Je vous relais sur ou pas? Ouais, c'est ça. Oh, putain. Ah oui, du Monte Dew, ok. Je sais même pas quel goût ça a en fait. Ça a quel goût? C'est vraiment... Je sais pas si vous connaissez le Canada Dry, je sais que ça se vend en France, c'est exactement le même goût. Du Sprite quoi. T'aimes pas? C'est archi bon, je trouve. Ouais, j'ai bien fait de lui donner à boire. Hein. Tiens, tu lui gardes. Je la garde. Ah, ah, c'est une canette. Le truc est devant toi. Tu peux boire. Bah, y a un goût de pêche, mais très très. Enfin, j'ai l'impression de très lointain. Ouais. Ça sentait pas la pêche pourtant. Ça va siroter toute la mais bouteille. Mais genre, c'est pétillant, on dirait. Par contre, c'est du Red Bull. Ouais, c'est un truc que j'avais jamais vu. C'est peach, mais gros, c'est la peach en plus. La peach, c'est très lointaine. Hein. On va pas manger ce midi. Tu me dis ce que je dois faire. Hein. Ouvre la bouche. J'ai peur de ouf ce que tu vas mettre. Bon, ça, c'est le goût que tu dois donner. Et les Pringles? Ouais. C'est spicy, non? Tu as en tête que c'est un truc rouge qui n'est pas en France. Ah ouais, putain, ça a exactement le même goût que ceux au... Pas les spicy, ceux au... Je paprika. Ah, paprika. Ça a le même goût, non? Non. Non, non. Ah, fromage. Non. Non? Oh. Non, c'est pas fromage, mais il y a du fromage. C'est pas le truc sour cream, là? Non. Honnêtement, c'est dur. Est-ce que c'est un truc qu'on mange souvent? Qu'on mange souvent, je sais pas, mais qu'on mange, on aime. Oignon? Ah, non. Moi, je veux dire tous les goûts des trucs en fait. Ouais, bon, non, je sais pas, j'ai pas trouvé. Je suis nulle, putain! Attends. Pizza? Ouais. Pringles Go Pizza. Ah ouais. Bon, alors, lesquels j'en ai. J'en ai deux. J'ai deux goûts. Mais je pense que je vais lui faire goûter le plus chelou. Super. Ouvre la bouche. C'est liquide? Non. Ah, ça a l'air chimique de ouf. Ouvre. Ferme. Oh, la pomme. C'est bon ou pas? En vrai, elle est ou pas? Je l'ai tué. Oui. Mais à quoi, attends? Ah, je ne vous aime pas. Je m'en doutais que t'allais pas aimer, je pense que personne n'aime bien ça. Je connais le goût. Tu reconnais pas le goût? Je reconnais le goût, mais j'ai pas de nom. Dans ta tête. Sur le front. Merci. C'est ça. Lemon. Ni 5 calories, hein. M'a fait manger ça, là. Rika. J'ai mangé ça, regardez. Je l'avais en... Je répète. De faire... Tu veux que je fasse goûter l'autre et que tu devines le goût en extra? Vas-y. Ou t'es pas chaude de regoûter ça? Vas-y, je m'en fous. Mais tu le goûtes avec moi alors? Moi je peux pas, c'est la gélatine. Ah merde. J'suis désolée. En vrai, j'aurais trop voulu goûter. Elle m'a clairement eu en mode je suis vegan, nani. Clairement parce qu'elle veut pas que je lui fasse bouffer des trucs dégueulasses. Ferme les yeux. Il a l'air plus liquide celui-là. Trop bon lui. Mais c'est dégueulasse la matière. Bah, c'est... En fait, je pense que le goût est bon mais c'est la matière qui est chelou quoi. Tu reconnais? Un fruit rouge, c'est sûr. Les trucs artificiels comme ça. Bah c'est ça en fait. J'ai du mal parce que j'en mange jamais. C'est très artificiel. Ça fait penser aux boissons, tu vois. Mais c'est, je bois jamais des boissons, je bois que de l'eau ou de l'ice tea. Je suis en train de faire de la ASMR à ta vidéo. C'est ou cranberry ou c'est cranberry ou pas? C'est strawberry. Strawberry, ok. J'ai un demi-point. Tu vas mettre mon doigt dedans. Et quoi? J'ai un demi-point. Ouais, t'as un demi-point. J'avoue, c'est un bonus. Mmh. Oh putain, c'est que du sucre. On dirait un mix entre des céréales et des meringues. Des meringues. On dirait une petite meringue, genre. Ouais, je comprends la comparaison. T'as eu en gros un 10. C'est quoi dehors? Normalement, tu connais. T'en as 6 étoiles là dans GTA ou quoi? Je sais que ce goût là, ça fait penser à GTA quand t'avais 3 étoiles. C'est pas les Lucky machin là? C'est ça. C'est bon en fait, par contre c'est fou le sucre. Hein. En fait, faut que tu bois avec du lait. C'est pour ça que j'ai le seum de pas avoir pris de lait. Ah ouais, putain, en plus j'y ai pensé. On en prendra au retour peut-être. Ouais. C'est quoi que t'as aimé toi? En tout le plus? Ouais. Les petits bonbons là. Les nerds. Ouais. Parce que les chips au final, ben le goût on connaît, tu vois. C'est pas trop. Après, non, c'est pas mal les Reeds aussi, le tout premier truc là, mais ça ressemble vraiment à des sneakers. Je trouve que ça a vraiment le goût de sneakers. Parce que
c'est quand même des cacahuètes, Snickers. C'est de la cacahuète. Il y a des cacahuètes, c'est pour ça, je pense. Il y a du caramel et tout dans le Snickers. Ouais. Là, c'est vraiment full cacahuète et chocolat. Le chocolat, je pense. Ah, t'as pas fini, toi? Ah, c'est vrai, il y en a encore un, moi. Bah ouais, parce que toi, c'est le dernier, celui-là. Moi, j'en ai encore un. T'es prête ou pas? Ah, c'est 12 heures. Et tu croques. Non, ça m'a bien. Du coup, elle y va encore. Oh, ça sent fort de ouf. Du doro? Non. Quoi, en Amérique, on mange fort? Ah, c'est, déjà, l'odeur, elle est archi forte. Pas du cheval? Non. Je sais, je la connais cette viande, mais je sais pas. Je suis en France. Je sais que c'est très réputé ici, du coup. Ouais, c'est une drôle de tête. Hein. Elle mange tout aussi. J'avoue, il y a le paquet au moins. Moi, ça, c'est sûr que ça va être. Ça va être rentabilisé. Mais attends, mais. Ils mangent tout ça. Ouais, ils mangent tout ça. Dans les films et tout. Ouais. Je vais pas te le refaire tirer là. Du coup, tu veux que je te dis? Ouais. C'est juste du bœuf séché en fait. Ouais, c'est du. Ouais, genre, c'est sûr. Ah, l'odeur, elle est. Oh, elle a incroyable odeur. Bon, moi, ce que j'ai préféré, c'est. J'ai dit. C'est vrai, j'allais dire quoi? J'ai vraiment essayé de te voir. En vrai, un truc typique d'ici quoi. Non, je pense qu'on a bien suivi le thème américain. Mm-hmm. Le goût, toi et moi. En vrai, je dirais les cacahuètes. Le truc des cacahuètes. Ouais. Peanut butter, moi j'ai préféré. J'aime trop. Moi, c'est, coup, ouais, c'est les trucs nerds là. Les nerds. Les petits bonbons là. Parce qu'on retient de l'Amérique, c'est ça. Franchement, c'est beau. Ça, au final, le peanut butter, on connaît un peu quoi. Surtout pas ça, je pense que la gélatine. Je sais pas ce qu'ils ont les Américains avec leur délire de gélatine, mais il y avait un rayon entier avec des trucs de gélatine. Hein. Bon bah du coup voilà, t'as apprécié la vidéo? Ouais, c'était vraiment. Pour une première fois. C'était vachement cool, ouais. C'était cool, ouais. J'ai plein de choses dans ma vie. J'aurais jamais imaginé un jour dans ma vie faire ça. C'est trop bien. Tu sais, tu les vois les vidéos sur YouTube, tu te dis voilà, mais les faire. Je trouve ça cool en vrai. En Amérique, comme ça, ça nous a permis, toi comme moi, de découvrir des choses. Ouais, c'est clair. Moi j'ai pris des choses que je connaissais parce que j'avais déjà pris les Reese's et les Nerds. Lucky Charms, je connaissais pas, j'en ai goûté. Tout à l'heure, en les mettant. On les goûtait. Et les Pringles pizza, j'ai goûté dans la vidéo comme vous avez vu. Et voilà. Et après, tout mon truc. Moi, je connaissais rien du tout. J'ai vraiment fait au feeling. Bon, les gens m'ont aidé vu que j'étais en stream, mais je voulais absolument prendre de la gélatine parce que je sais que c'est un peu la truc. Et ça, ouais, ça. C'était grave. Bah, ouais, mais ah là, c'est maintenant petit, là, tu vois. Oh, j'aime pas la. J'ai ouvert le paquet, j'ai cru que j'allais vomir. Hein. Genre. Mais ouais, donc voilà, c'est bien. Par contre, ça, ouais, c'est vachement bon. Les boissons, ça va. Bon du coup les potes, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi c'était un plaisir de la faire avec ma petite Adèle. Bah moi de même, pour la première fois, bon j'étais peut-être très timide mais c'était vachement ça. La première vidéo, j'avoue, j'ai fait ce que je le fais jamais. En plus là, un tag avec quelqu'un, c'est encore plus bizarre. Donc, j'espère que vous avez apprécié, vous donnerez en commentaire des tips pour que je m'améliore et voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire également une nouvelle vidéo qu'on pourrait faire ensemble, ou pas ensemble, ou solo, ou je sais pas. Bref, n'hésitez pas. Tu vas la sortir avant, et donc du coup, on aura le temps de la voir, on sera encore ici quoi. On aura le temps de voir les commentaires donc. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve pour les vlogs et tout ça. Donc voilà, bisous.